Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur Zoo Tycoon et notre petit zoo que vous aimez tant. Et bah aujourd'hui, le zoo le mieux tenu, ouais j'espère. Aujourd'hui on va continuer notre zoo, donc on va laisser les sous monter pendant qu'on fait quelques quêtes. Il y a Gosse qui éternue, je sais pas si vous l'entendez. En faisant quelques quêtes, en améliorant le zoo, parce que j'ai pas encore tout amélioré, vous m'avez donné d'autres astuces. Et on mettra les jaguars. Alors je regarde vite fait. Ouais, il n'y a pas assez de décor, c'est ce qu'on va faire. Je regarde vite fait. Non madame, tu étais au bon endroit. Je veux... Non, je veux pas construire. Je veux gérer le zoo. Voilà, c'était toujours pas. Mais si c'est ça normalement, gérer. Non mais madame, on se détend. Voilà. Ouvrir. Ah voilà, super, merci. Donc, on va regarder si on n'a pas des recherches. On va... Alors, transport, tout ça, on est bon. On va améliorer la publicité peut-être. Ah, ça coûte 4000 quand même. Attends. 6000 pour la reproduction. Les 2000 pour les transports. Moi, je suppose qu'on était censé l'avoir déjà fait. Allez, on lance ça. Ok, et on va regarder donc le jaguar. Oh, il y a encore Oh, c'est trop mignon ça. Il y a tellement de choses encore que l'on doit mettre. Des petites cailles. Ce serait mignon, des petites cailles. Des chouettes. Même si les oiseaux sont pas super bien faits. Jaguar. Alors, il nous faut quoi pour les jaguars? Donc, ce qu'ils préfèrent, c'est la forêt tropicale. Ok, et ben, on va tâcher de leur mettre une moyenne. Je pense que c'est pas mal une moyenne si on met un couple. Ils vivent à combien? On n'en sait pas plus. Ok, il y a le jaguar d'Amérique centrale ou le jaguar de Coleman. Donc, minimum 2. Forêt tropicale. Et là, ça va être pareil. Forêt tropicale et minimum 2. Statut de conservation quasi menacé. Elle va plaire aux visiteurs parce que les deux... Alors par contre, ouais, elle va plaire aux visiteurs aussi. Du coup, lequel? Celui d'Amérique centrale ou le Goldman? Bon, on va prendre le premier. C'est bon, ça sera bon. Ok. Il y a un familier aussi, il y a tellement de choses. Alors vous m'avez dit... Ah, on avait un truc aussi au niveau de la publicité. Vous m'avez dit de retenter les kangourous aussi. Alors, effectivement, il faudra qu'on remette des kangourous. Ouais, vous pouvez lancer cette recherche-là. Le site internet, on l'avait fait hein, ou pas? Est-ce qu'on a fait notre site internet? On va faire notre site internet. Ouais, je sais pas en quoi un site internet peut être d'intensité moyenne. On va dire qu'il n'est pas super bien référencé. Ok. Bon, on a les sous qui ont deux flèches, donc ça devrait plutôt bien monter. On va donc aller voir pour décorer un petit peu tout ça. Genre on peut se mettre par là. Et donc genre ici, qu'est-ce qu'on peut redécorer? Non, on était bien là. Construire. Alors, décor, machin. Non, est-ce qu'on peut juste améliorer la zone? Peut-être aller sur le monsieur pour l'améliorer. Bonjour monsieur, je veux vous... Non, pas ça. Non, pas ça. Ouais, super, trop bien. Non, pas ça. interagir, non. Si on va sur les bancs. Modifier, voilà, super. Améliorer, on va peut-être se détendre sur les sous. Personnaliser. Mais ça, je crois qu'on a déjà fait. Hein. On s'amuse à faire un rendre aléatoire, mais ça va. Voilà, ça change juste les arbres. Ok, ici, on peut rien ajouter. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Vous m'avez dit que... Ah, oh, merde. Oh, il nous faut un autre nettoyeur. Mais clairement. Ou augmenter le premier, mais là, ça ne va pas. On va pas l'avoir, hein, le truc de la propreté. Ah ouais, d'accord. On va l'améliorer. Voilà. Et on peut peut-être en prendre un deuxième. Ils sont chers. Bon, on va en ajouter un deuxième. Oh, parce que là, il était crado. Hein. Ok, on a bien perdu des sous. Impeccable. Construire le zoo. Mais non, parce que si je construis... Ok, les décors, on a ça, mais c'est des gros trucs. Toujours se mettre en lac. Aménagement. Ouais, mais non, ça, ça c'est déjà... c'est déjà fait. Genre aménagement, forêt tempérée, mais je crois que c'est déjà... Ah, peut-être pas. On peut mettre des arbres en plus. D'accord. Là, on peut mettre un arbre.
Ok, du coup on a déverrouillé. Oh, des rhinocéros! Oh, Fourmilia collier les bouts! Pharaon, un nouveau pharaon. Les lions! Recherche sur la lignée. Mais c'est extraordinaire. Mais on va en mettre plein. Le truc a rien à voir. Ça s'est débloqué. Mais... Non, je crois que celui-là, il est trop gros. Je crois que celui-là, on va pas nous laisser le mettre. Alors là, dans le trou, là, un petit creux, là. Là. Attends. Là. Comme ça. Là, comme ça. Allez, des petits arbres. Ah, du coup, c'est bizarre, parce que du coup, ça fait un trou. Bon, c'est pas grave, on mettra des trucs autour. Et non, bah, un petit, alors. Un petit rocher. Non, mais c'est pas petit, ça, les mecs. Gros rocher. Ça s'appelle ça petit. Petit arbre. Voilà, un petit arbre. On peut le mettre à côté, du coup. Bah oui, là, il y a de la place, en fait. Voilà, un petit arbre. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Parce que là, pour le coup, je pense que c'est trop gros. Hein. C'est définitivement trop gros. C'est définitivement trop mouse costaud. Ah, genre là, la tortue qu'on avait mis. Non, reviens, madame. La tortue, là. On peut rien y faire, ici. Modifier le décor. Améliorer, déplacer, personnaliser. Peinture, on l'avait fait. Arbre et tout ça. Non, ça, c'est le contour. Ce qu'il y a déjà. Non. Non. C'est déjà pas mal. On a vu comment mettre des arbres. Il y a peut-être d'autres trucs, mais soit. Alors, on a... Le zoo le mieux tenu. On a une photo hippogriffe noir. C'est tout. Vous voulez juste un hippogriffe noir. Mais on les a déjà pris en photo 50 fois, les hippogriffes. Et non pas les hippogriffes. Ce qui a beaucoup, beaucoup fait rire. Akko, hein, avec mes hippogriffes. Mais il est bien, les galopes et tout, les mignons. Je pense qu'ils vont être contents. On n'attend pas parce que sinon ça va être fini. Voilà, impeccable. Alors, on a quoi d'autre? En mystérieux mécène, vous offre de l'argent pour... Ouais, ok, on va réintroduire un animal niveau 15. Le zoo le mieux tenu, ça, ben, on avait tellement le choix. Et la collection, on est tellement, tellement, mais tellement loin de la fin. Jouer avec les animaux. L'association, interaction G, on n'a aucun G sur nos ours. Qui est-ce qu'on libère? On a déjà libéré pas mal de bêtes. D'ailleurs, on en a à remettre. Quitte à devoir remettre une femelle alpaga, il y a peut-être un autre alpaga à enlever. On va regarder. Nos bêtes. Alors, ah bah voilà, Mira par exemple. Mira ou Tini. Gabriel, non. Ah oui, on n'a plus que ça. Et Gabriel, c'était le... Ça doit être le jeune qui a grandi, si je dis pas de bêtises. Je pourrais y dormir. On va... Bah, de toute façon, les deux ne se reproduiront plus, techniquement. Donc on va réintroduire Tini. Ouais. On va faire ça. Donc on réintroduit Tini. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Animaux. Voir les animaux. C'est pas ça. Sélectionner. Ah voilà, pardon. Ah, je peux pas. Ah, parce que je suis pas sur le bon. Mais vous allez me laisser faire, oui. On va y arriver. On va y arriver. Mira, non. Tini. Tini. Voilà, on le réintroduit dans la nature. Ok, du coup, on a gagné plein de sous. Au revoir, Tini. Oh, c'est triste quand même de les faire partir. Bon, s'ils sont vraiment réintroduits dans la nature, c'est cool. Mais en même temps, faire introduire des vieux animaux qui se reproduisent plus dans la nature, je comprends pas tellement l'intérêt. Le but étant que les animaux... se reproduisent et soient à nouveau présents dans la nature. Donc, ah, nouveau défi photo, j'aime bien. Nouveau défi photo, ils veulent quoi? De quoi? Un inspecteur qui note les plus beaux zoos va visiter le vôtre. Pour remporter le prix du zoo le mieux tenu, maintenez dans le vert les besoins en décoration pendant 6 minutes. Eh ben, c'est pas fait. Et la photo... Encore? Mais vous les aimez nos hippogriffes, hein? J'ai dit beau griffe, hein. C'est reparti, hein. J'ai recommencé. Hein. Et ben c'est ben, voilà, j'ai besoin de fantaisie, il me faut des hippogriffes. Hop, avec un bout de girafe, ça va pas être très beau. Vas-y, avance, c'est bien. Voilà, super. Oui, on la garde, c'est bon, super, on a gagné 1500. Oui, ça monte, c'est cool, c'est cool. Alors. Donc, je crois pas qu'on soit dans le vert en décoration. Hein. Je ne pense pas.
qu'on soit dans le vert au niveau des décorations. Le Fallenger Vulpin PP a été aperçu avec un compagnon, une compagne dans la nature. Ok, donc ils ne se reproduisent plus chez nous au niveau 15, mais par contre, dans la nature, ils se reproduisent à nouveau. On va vous dire d'accord. Ouais, en déco, on n'y est toujours pas. Les visiteurs sont extrêmement impressionnés par notre Fallenger. Encore un nouveau truc. Un concours est organisé dans les zoos locaux. Le zoo où le bien-être des animaux le plus élevé sera le vainqueur. Pour remporter un concours et dans la zone verte pendant 5 minutes. Ça, je pense qu'on est bon. Par contre, là, je voulais voir. Donc là, déco, on n'est pas bon. On peut réessayer d'être bon. Et les animaux, je pense que... les animaux, on est bon. Yes. Les animaux, on est bon. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme déco? Si on met carrément un lac. Un petit lac. D'accord. Oui, bien sûr. Oui, c'est petit. C'est tout petit. Bah, ça faisait longtemps. Bande de soigneurs là, hein. On va mettre des arbres entre deux. Et on va donner des sous aux soigneurs parce qu'on a extrêmement besoin d'eux. Aussi chiant soit-il, on va pas relier plus pour le moment. Personnaliser, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Bon bah ça c'est... Allez, on rend aléatoire, on est faux, on aime le chaos. Ok. Ah oui, c'est rose du coup. Ah, peut-être pas aléatoire à ce point-là. Les allées roses... je suis pas... Ah ouais, en même temps, je suis pas convaincue non plus là. On a quoi de base? Ah ouais, on peut mettre de toutes sortes de choses. Ouais, comme ça. On va dire... Retour, mur, allez, rentre. On peut rien ajouter d'autre? On peut essayer d'ajouter un truc là. Si on retrouve comme on a fait, on gère vite la grève. Très clairement, hein. Oh la vache. On paie un coup. Ça va pas suffire. Hein. Encore un coup. Allez, un gros. Allez, un gros. Et je vous donne pas plus. Hein. Non, sérieux, je vous donne pas plus, les gars. Oh, les saligots. Les saligots. Purée. Eh. Ouais, j'aime mieux ça, ouais. Sale bête. Saleté. Bon, on va voir pour mettre donc encore un peu d'arbres. Le zoo le mieux tenu, je ne vois plus de détritus par terre. Donc là-dessus, je crois qu'on est pas mal. Ah si, là, il y en a un. Qui a pas ramassé sa canette? On peut pas la ramasser. Hein. Ah, vider les poubelles. Non, du tout. J'ai cru voir vider les... Ah si, voilà. Vider la poubelle. Ah, du coup, ça a enlevé autour. Ok, impeccable. C'est déjà ça. Vous m'aviez donné quelques noms aussi. Il faudra qu'on refasse un petit peu le tour de noms. Ah, ça y est, sauteur est adulte. Qu'on refasse un petit peu le tour des noms. On pourra faire ça le prochain épisode, le prochain coup. Là, on va s'en concentrer sur l'enclos des jaguars, finir la déco. Et prochain épisode, et bah votez, tiens, si on fait du... Si, prochain épisode, est-ce qu'on fait les rhinocéros ou est-ce qu'on fait les lions? Et on s'occupera un petit peu des noms également. Là, je vais essayer de retrouver comment j'avais fait pour mettre des sabres. Ok, genre ça. Il est petit celui-là pour le coup. Voilà. Et non, on va plutôt mettre un gros truc puisque là, on a une grosse place. Un truc comme ça. Voilà. On peut peut-être même... comme ça. Et du coup, on a peut-être la place de rajouter... Vous avez gagné le concours des animaux les mieux soignés. Oui, on a plein de sous. Et on se met un arbre forestier comme ça, montagnard plutôt. Et ben, un autre comme ça là. Voilà. Et c'est sympa en fait de planter des arbres. C'est super rigolo en fait. Ouais, on plante des arbres. Allez, encore. Et là, s'ils me sortent qu'ils n'ont pas cette déco, c'est qu'ils n'aiment pas les arbres. Hein. Et... Encore un lion? Du koala. Oh, les petits koalas. Ok, une mascotte ours. Ok. Alors, et là, j'étais aussi en train de regarder pour mettre les taupières. Il est où? Il est où? Là, voilà. Un jaguar. Ah oui, c'est énorme! Ah, je voyais pas ça comme ça.
Je me suis dit, puisqu'on met un jaguar, ça peut faire un petit peu la mascotte pour le moment. Oh, mais c'est immense! Ah ouais, d'accord. Moi, je croyais que c'était une petite... Eh quoi! Une hénounette? T'es petite, quoi? Une petite haie? D'accord. Personnalisé? Ok, d'accord. Allez, aléatoire. Et on le laisse cette fois. Ok, c'est bon. Ils m'ont laissé m'en aller. Ok, impec. Et bah j'espère que madame te glitch pas dedans. Hein. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ok, on va pas avoir le zoo le mieux tenu du tout. Mais du tout. Par contre, on a plein de sous. On va pouvoir mettre... Bah monsieur, elle est pissée. Bah monsieur, voyons. Ok, on va prendre notre forêt. On va la mettre par là, je pense. Donc, il nous faut en construire. Enclos. Il nous faut une forêt tropicale moyenne. Je pense que pour un couple, c'est pas mal. Enfin, un couple qui nous feront quelques bébés, mais... Et vous m'avez dit que dans ce jeu-là, ils géraient la consanguinité dans le sens où les enfants ne se reproduisent pas avec leurs parents. Alors ça aussi, c'est pas cohérent du tout. Mais tant mieux, ça fait un truc de moins géré, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de vite vendre les jeunes quand ils grandissent. C'est pas grave, ils ne feront pas de bébés avec papa et maman. Hein, voilà. Ce qui dans la nature, hein, dans la nature. On va pouvoir... Ah, la campagne publicitaire est finie. On va pouvoir mettre des arbres ici. Oui, des arbres partout. La femelle phalanger en a un, pépé. Et un peu... Ah oui, ok, lui il était avec... on l'avait vu dans la nature. Ils nous l'ont redit, visiblement. Ici, il faudra mettre quelque chose, parce que ça ne va pas. Ça, c'est là, tout seul, dans l'espace. Il faudra faire quelque chose. Bah voilà. Et j'espère qu'il va être plus content, là. Hein. Plus de plus, on va juste renommer... Oh, on va pas renommer tout de suite. Donc ici, c'est les jaguars. Alors, on s'y met. Vous. Voilà. Donc, on va renommer cet enclos, donc c'est les jaguars. Mais effectivement, on aura plusieurs espèces de jaguars, mais c'était les jaguars... Pourquoi je suis en cap? C'était les jaguars d'Amérique centrale, ça, cela, je crois. Et je suis plus sûre qu'il y a un D à jaguar. Pourquoi je mets un D à jaguar? Oh, je sais plus écrire. C'est les jaguars. C'est très bien les jaguars. On va mettre des objets. Donc, soin, ils vont manger. Jusque-là, ça me paraît assez normal. On leur met des pommes. Non, du tout. On leur met de la viande. On va leur mettre une douche, puisque dans ce jeu, les animaux doivent prendre leur douche. Voilà. Bah, pas un objet de... On va mettre autre chose. On va pas mettre une station. On va mettre quoi? Objet d'enclos, objet de bien-être. Mais ça va être la même chose. Ah non, c'est bon. Alors, abri, ça va pas du tout être pour eux. Centre d'activité non plus. Grattoir. Jaguar, ouais. Jeu de cordes. Non. Mur d'escalade, je suppose. Ah non, un petit peu, pas trop. Pas toujours. Non. Les jaguars, ça aime l'eau. Bah, ça aime l'eau, les jaguars. Lama, lion, tigre. Toboggan, ours et puma, un petit peu jaguar. Mais les jaguars, ça aime la flotte. Je dis une bêtise, je confonds. Bon, bah, il y a un petit peu le mur d'escalade. Et il y a beaucoup le grattoir. On va mettre... Ah, bah, un arbre. Bah, carrément, un vrai arbre. C'est beaucoup mieux. Grattoir, pelure de pain. Et on va mettre l'autre qu'ils aimaient un petit peu, quand même. Je suis sur le bon. C'est bizarre comme truc. Ils sont... Ah oui, non, je suis pas sur le bon. Ah voilà, le mur, pardon. Ils sont en deux. Voilà, mur d'escalade. Mat de singe. Palais peint. On pourra en mettre un qui change. Ça, par exemple. Il y a les pumas à côté, on les entend brailler. On n'a même pas encore les jaguars, ça gueule déjà. C'est l'enclos plus loin. Allez hop, le faucon noir, Michael a été... Ah oui, c'est vrai qu'il faut remettre des faucons. Voilà! Et ben on va arrêter là. Et on va mettre les loulous. Hein? Ça me paraît pas mal de mettre des animaux.
dans un enclos à animaux. Oh, le lion, j'ai trop hâte. Oui, bonjour. Vous avez remporté le concours pour celui actuellement le plus beau des environs. Oh, bien. Il est où? Il est où? Il est où? Le jaguar. Il est là. Alors, le Goldman, encore une fois. Bon, on va rester sur l'Amérique centrale, hein, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas... Mais comment j'ai écrit jaguar? Oh, la honte. Oh, mais la honte internationale, quoi. La honte. Mais la honte. La la. Voilà. Donc on a relancé la recherche, bah on attend d'avoir les jaguars. Défi jouer avec les animaux, je ne pouvais pas le faire. Animaux malades. Un groupe de passionnés des ours de Kermode a prévu de visiter. Ouais, mais on n'aura pas de bébés ours. Ils sont trop vieux mes ours. Il faut que je les refasse si je puis dire. Animaux malades. Un virus frappe les animaux de votre zoo. Vous devez les soigner à chercher médicaments. Oh non, pas la course de voiture. Il nous reste 30 secondes. Oh non. Oh non. Succès. Oh, les iguanes. Oui. Les iguanes. Les iguanes. Les iguanes. Les iguanes. Hein, vos animaux ne vont pas mieux. Vous avez reçu une amende pour... Il était quoi? J'ai pas fait... Oui, j'ai pas fait la course. J'ai pas... Bon, bah, je ferai... Je crois qu'il faut qu'on rajoute des toilettes. On se croirait dans les Sims. Attendez, nouveau défi photo. Mais laissez-moi le temps de respirer. Je vais mettre les jaguars. Photo, c'est tellement facile à faire ça. Capucin moine. Les capucins. Il faut qu'on pense à rajouter des toilettes. Capucin, capucin. Non, il n'y a pas de flotte pour les capucins, madame. Rosalbin. Je pue, moi, où ils sont, vos capucins. Les petits papayes, qu'il faut renommer aussi. Les capucins. Vite, excusez-moi une photo. Vite, pardon, excusez-moi. Hop, non, Maurice, y'a là. Hop, super. Donnez-moi mes sous. Impeccable. Ouais, trop bien. On retourne au jaguar. Nanana. Là. Là, 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 là. Ça doit pas être là parce qu'il n'y a pas de nom. Attendez, bon, ouais, c'est les pumas. On va en profiter pour les renommer. Les pumas, renommés, pumas. Hop, impeccable. Et du coup, nous, on va sur nos jaguars. Voilà, et on va enfin mettre nos jaguars. On a plein de sous. Ça y est, on est riche. Enfin, enfin, on est riche. On y va. Ok, on n'a pas un choix de malade. On a un coco. Et on a Bubble. on va pas mettre de bébé. On va les laisser faire leur bébé. Et on va les renommer. Parce que vous m'avez donné tellement de noms. Quand il y aurait les jaguars. Qu'on va les renommer. Alors il y a le Coco, ça m'en veut de le renommer. Parce que Coco c'est un de sponsors qui a énormément bossé sur le zoo. Et qui a fait un des derniers events que vous avez vu. Donc je laisserai bien Coco. Pour ce jaguar-là, il y en aura d'autres, des jaguars, il va y avoir, il va y avoir des bébés et tout. Hein. Donc, on a Coco. Ah ben non, c'est une femelle. Ah ben non, on va le changer de l'ordre. Je pense pas que Coco, il a envie d'être une femelle. Ou alors, on l'appelle Cocotte, en l'honneur du surnom de ma fille. Allez, on va t'appeler Ava. Hop là. Et ton mâle, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais non, madame. Mais qu'est-ce que vous partez? Hop, voir les animaux. Donc ça, c'est la cocotte. Et notre garçon, du coup. Hein? On va l'appeler... Vous m'avez donné tellement de noms. Oh, y a tellement de noms. Chou-chou-chou. M'attaque. J'espère que c'est bien, nom de garçon. Mais je trouve que ça va bien... Oh, il est beau. Non, je veux le voir, je veux le voir. Mais arrêtez de partir toutes les deux secondes. Voilà, j'ai tellement du mal. Sélectionner l'animal. Et caméra. Voilà, il faut sélectionner la souris. Voilà, voilà. Oh, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Attends, on va aller voir ton copain.
Ah oui, non, maintenant qu'on est sur toi. Maintenant, vas-y, faites tes trucs ensemble. Non? Pour le moment, ils sont chacun de leur côté. Parce que c'est pareil, les fauves, ils nous les font mettre à plusieurs. Bon, c'est vrai que dans les zoos, ils sont à plusieurs. Attention, je dis pas forcément une bêtise. Dans les zoos, ils sont à plusieurs. Mais dans la nature, ils se rejoignent que au moment des chaleurs de la femelle. Hein. Ils se baladent sur un territoire bien précis. Quand il y a une femelle en chaleur, les mâles, ils y vont. Ils se foutent sur la gueule le gagnant, il a la femelle. Mais c'est... voilà, ils sont hyper territoriaux, quoi. Donc c'est toujours assez étonnant. Vas-y, joue. C'est toujours assez étonnant. Et c'est vrai que dans les zoos, ils sont à plusieurs. Hein. Ça doit être tellement différent, la vie en captivité. Ils sont super beaux. Ils ont bien réussi, ces animaux-là. Autant... et ben voilà. Autant les... comment dire, les oiseaux, je les ai trouvés très très moches. Autant là, les fauves, je les trouve très très beaux. En tout cas, l'arbre, il marche bien. Les gens sont contents. Ils sont contents. Attendez, on va leur mettre des chiottes, parce que c'est la plusieurs fois qu'on voit des gens qui sont pas bien. Où étaient les chiottes? Ça, c'est des chiottes. Non, ça, c'est un fast-food. Un magasin de ballons. Où sont les chiottes? Là, c'est le resto. Là, ici, on a des chiottes là. Et... il y en avait deux. Ah là. Ouais, bah... oh oui, bon, bah on va en mettre un là. On va mettre du coup... toilette. Ici. Ah, j'ai compris. On va mettre des toilettes là. Mais... non, mais genre, il n'y a pas la place de mettre des toilettes là. Là, quoi. Non, mais là, ça... non, mais ici, on a un gros trou. Après, il va encore falloir coller des arbres. C'est quoi là? Ah oui, c'est le lion. Enfin, le déguisement. Ou alors on décale la tortue un petit peu. Attendez. Pas du tout ce que je voulais faire. Impeccable. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Voilà. Genre là. On fera les allées après. Voilà, super. Laisse-moi aller. Oui, on a des toilettes paumées dans la nature. Je sais. Construire. Non, je veux déplacer cette chose. Modifier le décor. Déplacer. Oh, bah dis donc. Voilà, je sais pas si c'est moi qui ai particulièrement du mal avec ce jeu. Vous allez être méchant et dire que j'ai souvent du mal. Ce qui sera peut-être pas faux. Mais qu'est-ce que j'ai du mal avec ce jeu? Modifier le bâtiment. Déplacer. Voilà. Voilà, toujours pas. Ouais, c'est pas tellement ultra mieux, quoi. Ouais. Et notre tortue est à Peta ou Schnock. Donc on redéplace la tortue. Déplacer. Ouais, d'accord, super. C'était sûr, hein. La tortue. Là. Déplacer. Ah, je suis bien sur la tortue cette fois. Impeccable. Et... non, mais là, il y a la place. Arrêtez. On va devoir mettre des arbres tellement partout. Mais tellement. Relier ça, ça. Relier ça, ça. Et relier les chiottes là, de l'autre côté. Ah oui, du coup, je suis pas sur le chiotte. Hein, il n'y va pas relier. Rien, rien, rien. Voilà, modifier le bâtiment. Relier. Hop, et hop. Voilà. Et du coup, j'ai plus qu'à personnaliser les emplacements. Ouais, je crois qu'on peut pas mettre grand chose sur des chiottes, c'est pas tellement fait pour, mais on va modifier le prix. Je suis désolée de mettre des chiottes aussi chères, on modifiera quand on sera vraiment riche. Vous sélectionnez espace, c'est ce que j'ai fait. Te plante pas, hein. Oh, Morisou. Modifier le prix. Ah, c'est bon. Ok, on est pas mal, on a plein de sous, ça monte encore. On a mis les jaguars. Et donc, votez si le prochain épisode, on se met les lions ou les rhinos. Et on se mettra quelques autres petits popoy. On se mettra quelques noms aussi. Il faut également que je remette des alpagas. Je vais remettre des alpagas et des faucons également. Bref, on a tellement à faire. Il y a aussi les koalas que j'ai vu. Enfin, il y a des iguanes. Enfin, voilà. On a énormément, énormément à faire. Je pense que cette série va durer très, très, très longtemps. Mais vous l'adorez, donc c'est tant mieux. Et moi aussi, je l'aime beaucoup, cette série. Et donc, c'est tant mieux. Je vous fais des boujoux, je vous dis à très très bientôt. Et surtout, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. Mmh, yeah.
could see everybody else's dream. What a comfort.